Bonjour tout le monde, une petite vidéo. Alors d'abord la vidéo, je vous montre d'abord mon atelier. J'ai rangé, ouais. J'ai essayé de ranger, hein. C'est encore un peu le bazar, mais je peux pas faire autrement. Pourquoi j'ai rangé aujourd'hui? Parce que j'ai un petit lutin qui vient ce soir. Oui, j'ai trouvé un petit lutin. Enfin, c'est le petit lutin qui a dit « je vais aller aider mamie ». Voilà, j'ai ma petite fille qui vient dormir ce soir à la maison et qui a dit « je vais aller aider mamie ». Donc, il fallait que je range mon atelier parce que le lit, il est là. Et vous vous rappelez que le lit était rempli. Il y avait toutes les couronnes de Noël, il y avait tout le bazar. Donc là, du coup, j'ai tout rangé. Donc j'ai refait son lit tout propre. Et j'en ai profité pour ranger au mieux mon atelier, pour y voir plus clair. Parce que là, je m'en sortais plus, je ne voyais plus rien. J'arrivais plus à travailler. Hier, je pétais un câble. Donc je vais profiter en même temps pour vous montrer un petit peu où j'en suis. Donc, la table à repasser, on ne peut pas repasser hein, pour l'instant. C'est impossible. De toute façon, le linge est là. Là, on ne pourra pas repasser tant que les marchés de Noël ne sont pas finis. Alors, du coup, là, j'ai commencé à voir... J'ai toujours pas fait l'arbre de Noël en bois. Hein. J'ai toujours pas customisé. Je vais m'en occuper. Donc, vous voyez, j'ai commencé à voir pour mettre les... Comment ça s'appelle? Les porte-clés. Donc, il faut que je rajoute un petit crochet entre chaque pour pouvoir en mettre plus. J'ai commencé à voir comment je pouvais faire pour ranger mes colliers. Enfin, une partie des colliers. Je n'ai pas beaucoup hein, de colliers. Donc, voilà. Toutes mes boucles d'oreilles que j'ai faites. Là, il y a tous mes bracelets. Bon, c'est les bracelets que j'avais déjà fait l'année dernière. Hein, donc, à part que là, il y en a quelques-uns que j'ai refait. Voilà, donc du coup, j'avais acheté un support à bracelet. Donc, j'ai vu pour les mettre dessus. Ensuite, là, je suis en train de voir pour ranger une boîte en plastique. Donc, je vais voir pour lui mettre un tissu comme ça, moiré. Avec un beau ruban, là j'ai mis un élastique pour l'instant, pour y mettre toutes mes cartes, enfin toute une partie des cartes, vous voyez. Donc ça c'est toutes les cartes de Noël, Nouvel An pour l'instant, il y en aura d'autres. Là c'est les cartes un peu de tout, il y a de l'anniversaire, il y a du remerciement, voilà. Bon ça je vais peut-être en faire 2-3 mais pas plus. Là, j'ai la boîte avec mes bagues. Voilà. Là, voilà, un graffiti que j'ai fait hier. Donc, il y en aura un deuxième qui va être fait en verre. Je vais en mettre un fait avec un verre à boire, hein, le verre en verre. Mais il est trop fragile, donc je ne peux pas l'amener là-bas. Donc, c'est impossible, mais bon, tant pis. Donc, mes anges... Je vais certainement refaire, il y en a un troisième là-bas. Je vais certainement lui refaire sa tête pour qu'il y en ait un troisième, je vais voir. Donc du coup, ma table à repasser me sert de table, tout simplement. Alors vous voyez, là, j'ai rangé au mieux. Là, j'ai préparé la fimo parce que du coup, ma petite fille va faire de la fimo. Donc ça va être son petit coin à elle ici. Elle va même amener son four parce que le mien est trop fort, il grille. Vous vous rappelez, hein, je vous avais fait une vidéo. Donc là j'ai tout rangé. Ah, on voit clair. Ça je vous en parle après. C'est pareil, j'ai rangé hein, au mieux. J'ai encore là, je sais pas ce que je vais en faire encore. Il faut que je vois toutes mes boules de polystyrène. Il me reste deux nids, je ne sais pas si je vais m'en occuper, si je vais les mettre. Bon, on verra. Donc en dessous, c'est tout le bazar.
Et donc voilà. Là, j'ai préparé pour. Pour l'instant, c'est dans un sac, mais après, je vais mettre dans un carton et les emballer. Là, c'est les premières couronnes de Noël qui sont dans un sac. Ici, dans un carton, j'ai commencé à mettre mes premières boîtes en cartonnage. Voilà. Là, ce sont mes plateaux et une boîte à mouchoirs que j'ai faite. Donc, ils sont déjà emballés. Voilà. Vous voyez, je sais déjà emballer. Comme ça, les personnes n'y touchent pas trop. Et puis les voient. Et puis c'est déjà emballé façon cadeau. Donc je suis tranquille. Là, il me reste des couronnes à faire. Et là, c'est mon sac où je vais mettre au fur et à mesure le matériel que je vais avoir besoin pour décorer mon stand. Enfin, mon chalet. Voilà. Et en dessous, du coup, j'ai encore, vous voyez, j'ai encore plein. Pas mal de choses. Et là, c'est ce que je me sers pour l'instant pour faire mes couronnes. Vous voyez, j'ai encore trois plateaux à faire. Là, j'ai encore de la laine pour faire mes couronnes. L'organza. Voilà. Et donc, tout ça, là, je n'ai pas rangé parce que je suis en train de m'en servir. C'est mes rubans, mes fleurs. Voilà. Mais au moins, je vois un peu plus clair. Même le sol. Parce qu'il y avait oh, il était dégoûtant. De la colle, des papiers, des rubans, il y avait de tout par terre. Donc, mais au moins, je vois un peu plus clair. Bon, c'est. Après, les marchés de Noël, on rangera mieux, on fera tout ça mieux. On verra plus clair et ce sera beaucoup mieux. Voilà. Donc là, je vais changer de position pour vous montrer ça. Voilà. Alors, re-coucou. Alors, ce matin, je suis partie à Action. Pas pour, c'était pas pour moi. Enfin, j'étais faire un tour pour ma copine Céline. Et manque de peau, j'ai pas trouvé pour elle. Elle voulait les dyes que je vous ai montrés hier. Et donc, cela, vous voyez. Ah, vous voyez la collection comme ça. Et il n'y en avait pas du tout. Et du coup, même pour moi, j'ai pas vu ce qui me manquait. Et du coup, j'en ai profité pour demander à la vendeuse, parce que certaines d'entre vous qui habitent la Belgique, hier m'en avaient parlé, me disaient, parce que nous, on les paye 3,29 €. Ah, maintenant, j'ai jeté le ticket, donc je ne sais plus vous dire. 3,29 €, je crois. Et les filles de la Belgique. Vous m'avez dit que vous voulez payer, pardon, 2,99 € si je ne me trompe pas. Donc j'ai posé la question aux vendeuses là-bas et donc du coup elle a fait une vérification de prix quand même au cas où il y aurait eu une erreur. Mais non, c'était le bon prix en France et donc mais elle ne sait pas pourquoi en France c'est plus cher qu'en Belgique. Voilà. Donc, nous, malheureusement, les dyes, on les paye plus cher que vous en Belgique. Peut-être parce que vous êtes plus près des Pays-Bas. Il y a moins de routes. Je ne sais pas. Donc, voilà. Donc, nous, on est carottés de. Bon, pas beaucoup. Ça fait quoi? 40 centimes? Enfin, mais bon, 40 centimes par plaque, à la fin, ça fait quand même beaucoup. Ça nous fait une plaque, hein, ou deux plaques, qu'on paye en plus. Mais bon, alors du coup, je suis allée à Action. Je reprends les mauvaises habitudes, là, il va falloir que je me calme. Même Chouchou, ce matin, m'a fait. T'as trouvé les trucs pour ta copine? Je sais, non. Il me fait, alors, c'est quoi qu'il y a dans le sac? C'est-à-dire que. Non, mais j'étais sage, hein. J'en ai eu pour combien? J'en ai eu pour même pas, pour 14 euros. Donc, ça va, j'étais sage. Donc. Je vous montre ce que j'ai pris. Alors, je vais essayer de montrer dans le sens qu'il y a sur le ticket. Voilà.
Alors, ça, il n'y en avait pas quand je suis allée hier. Donc, je suis contente parce que du coup, j'en ai repris. Des cartes et des enveloppes métalliques, mais de couleur. J'aime bien cela aussi. Donc, il y a deux rouges. Ouais, deux rouges foncés. Enfin, c'est pas rouge foncé, c'est plutôt violet, mais bon, ouais, violet foncé. Il y a deux bleus, deux rouges foncés et deux vertes. Voilà. Donc celles-là, je les aime bien parce qu'elles sont moirées et je les aime bien. Donc j'ai pris deux paquets, il y en avait que deux. Voilà. Donc ça, les quatre, c'est 67 centimes. Bon. Donc en tout, il y en a 8 dedans. Là, par contre, je ne les avais pas vus hier. Donc je pense qu'ils sont arrivés ce matin ou hier soir. Parce qu'hier après-midi, j'ai vu qu'il y avait un camion. Donc ça devait être arrivé hier après-midi. Des tampons avec le bloc acrylique. J'ai déjà des blocs acryliques, mais bon, les miens commencent à vieillir. Donc c'est pour ça que j'ai pris. C'est pas pour tellement les tampons, malgré que. Parce que dans. Il y a chaque lot, il y a un bloc acrylique. Donc ça m'embêterait d'acheter chaque lot pour avoir 10 blocs acryliques. C'est pas le but non plus. Donc j'ai juste pris deux lots pour avoir deux blocs acryliques différents. Et tant qu'à faire, j'ai choisi quand même celui qui me plaisait le mieux. Donc là, c'est un Happy Birthday. Voilà, avec la banderole. J'ai pas cette banderole-là, justement. Donc, elle me plaît bien. Et là, l'Happy Birthday est séparé, hein. Vous avez le Happy et le Birthday. Donc, on peut le mettre dans la banderole. Et donc, voilà, la plaque à l'acrylique. Voilà, ça évite quand on ne veut pas sortir. Enfin, moi, j'ai une fausse Misty. Mais bon, quand je ne veux pas sortir ma fausse Misty, ben au moins je reprends ça. Et je vous dis, j'ai des blocs acryliques, mais ils commencent à vieillir. Donc ça vaut le coup. Et du coup, j'en ai pris un aussi avec le bloc acrylique carré. Voilà. Je sais plus qui c'est qui me demandait où on pouvait trouver des blocs acryliques. Ben, du coup, voilà, à Action, il y en a en ce moment. Et là, je l'ai pris parce que pour le petit cerf, regardez, il est trop rigolo. Trop mignon. Puis en ce moment, justement, pour Noël, bon, le I love you, le petit singe aussi, hein, il est rigolo. Voilà. Et donc là, c'est le bloc carré. Je ne sais pas combien de modèles exactement. Mais bon, là, j'ai pas. Ça ne m'intéresse pas d'acheter les autres. Puisque je ne veux pas avoir 10 blocs acryliques. Et ça, donc, ça coûte 1,59 €. Alors j'aime bien, c'est parce qu'il marque bloc acrylique plus 3 tampons transparents. Donc 1, 2, 3. Ah bah oui, 1, 2, 3. Oui, mauvaise langue, j'allais dire une bêtise. Donc 1,59 €. J'ai repris des gobelets à pinceau. J'en avais un avant, mais je l'ai paumé. Ça, je l'ai paumé dans le déménagement, je sais. Mais là, je prenais des verres dans la cuisine. C'est pas top, hein. Donc du coup, j'ai repris des gobelets à pinceau. Ça, c'est au moins c'est bien. C'est quand même plus propre. Puis bon, vous voyez. Donc il y a un petit trou. On peut l'enlever complètement, hein, le bouchon. Donc j'en ai pris un vert, un jaune. La couleur, je m'en fous. Et ça, c'est 55 centimes. Voilà. Mais ça, bon, je m'en sers quand même pas mal. Donc, ça m'évitera de prendre les verres de cuisine. Alors, ils refont. Ça, c'est pareil, je ne l'ai pas vu hier. Donc, ils ont dû le recevoir hier dans le camion. Alors, moi, j'avais vendu tous les miens. Bon, oui. J'avais vendu tous les miens au live vide atelier. Et là, j'ai dit, bon, je vais les reprendre, mais je vais reprendre qu'un paquet pour voir comment ils sont. C'est la peinture 3, peinture de perles 3D. Voilà.
Donc j'ai pris qu'un paquet pour l'instant. Je vais les essayer avant. On verra ce que ça donne. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attends. 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y a 18 couleurs pour avoir tout. Voilà. Donc là, j'ai pris ces trois-là. Donc un bleu métallisé. Ça, c'est un blanc rosé et un marron métallisé. Voilà. Donc je vais les essayer, je vais voir ce que ça donne, si ça fait bien les petites perles. J'essaierai, je vous dirai quoi. Si ça les fait pas bien les petites perles, on s'en servira comme peinture. Et j'achèterai pas les autres. Donc ça, c'était 79 centimes. Voilà. Ensuite, ça, c'était peut-être là hier, mais j'ai pas fait gaffe. C'est parce que j'ai vu qu'il y avait une dame qui était en train de les regarder. Donc ça, je vais l'ouvrir pour vous le montrer. Alors, est-ce que j'ai mis mon... Hop. C'est un scrapbook. Donc c'est pour vous faire votre album. Je me suis dit, tiens, au début j'ai scrappé. Quand je scrappais, j'ai appris à scrapper les premières fois. C'est là-dessus que je scrappais. Tiens, ça rappellera le bon temps. Je me dis pourquoi pas faire un petit album là-dessus. Alors il y a du noir, il y a du blanc et il y a du craft. Donc moi j'ai pris le noir parce que c'est ce que je préfère. Donc il y a plusieurs motifs aussi, hein. Donc là j'ai pris le noir avec les petits pois argentés. On va l'ouvrir. Donc il y a un petit ruban pour l'ouvrir. Donc c'est fait avec une grosse spirale. Voilà. Donc c'est des pages noires comme ça. Ah, c'est des fines pages. Ah, je croyais que c'était des grosses pages. Non, alors donc c'est plein de pages. Ouais, chouette. Oh, super. Ah, génial. Ah non, je croyais. Elle voit comme ça, je croyais que c'était des pages épaisses. Enfin, elles sont épaisses quand même, hein. Mais non, il y a quand même beaucoup, beaucoup de pages. Regardez. Ah, génial. Regardez. Le nombre de pages qu'il y a. Hop là. Alors attendez, est-ce que c'est marqué sur le tac 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 scrapbook, donc album de scrapbooking en français? Non, ils disent pas le nombre de pages. Non, ils disent pas. Et là, parce que derrière. Est-ce qu'il ne marque pas d'intérieur? Non. Je compterai bien les pages avec vous, mais ça va être long, hein, non? Oui, ça va être long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Il y a 40 pages. Donc recto verso, ça vous fait 80. Alors, non, 40 feuilles. Comment on dit? 40 feuilles, 80 pages. Oui, ça doit être ça. Enfin bon, 40 feuilles. Voilà. Ah ouais, chouette. Ah ben en fin de compte, j'aime bien. Bon, on peut peut-être pas faire des gros décors dessus.
Mais... Oh, je sens que je vais peut-être en reprendre un. Ah non, mais j'aime bien. Ah, j'adore. Ah non, chouette. J'adore. J'adore, j'adore. Super. Alors ça, scrapbook. Ah bon. Les filles, n'importe quoi. Je me suis amusée à compter, alors que là, sur le ticket de caisse, c'est marqué le nombre de feuilles. Ouin, ouin, chercher l'erreur. Scrapbook, 25 sur 25 cm, 40 feuilles, noir ou craft. Il n'y a pas blanc? Je croyais voir blanc. Donc, je ne sais plus. Donc, papier photo à 4. Ah non, ça, c'est autre chose. Pff. Donc, il y a bien 40 feuilles. Voilà. 2,59 €. Bon, ça va, hein. Oh, je crois que je vais m'en reprendre un avant qu'il n'y en ait plus. Ah, chouette. Non, mais en fin de compte, j'adore. Ça, j'adore, j'adore, j'adore. On va lui refaire son petit nœud. Super. Contente. Faut pas grand-chose, moi, pour être contente, hein, vous voyez. Alors, oui, du coup, ce que je disais, du papier photo à 4 magnétique, j'en ai repris 2. Voilà. Parce que pour ranger tous mes dies, et je vais faire comme... Comment elle s'appelle? Je ne sais plus. Je vais essayer de retrouver sa vidéo. Et si je la retrouve, je vous mettrai ici en bas. Je vous mettrai le lien ou le lien en point d'information. Je vais faire comme elle. Mais je vais peut-être essayer de faire presque comme elle. Je vais faire dans un cadre pour mettre mes dies. Et je vous montrerai. Je vous ferai une vidéo quand ce sera fait. Voilà. J'en ai déjà, mais bon, j'en ai pas assez pour faire ce que je veux faire. Et là, il n'y en avait plus que 2 paquets. Donc, je vais attendre qu'ils en reçoivent parce qu'il m'en faudrait encore 2. Et donc, ça, c'est 99 centimes. Bon, ça va. Et la dernière chose, non. Ça, je ne voulais pas montrer. Ah non, j'ai passé au-dessus. J'en avais jamais acheté. Je vais le prendre, je vais voir ce que ça donne. D'habitude, j'aime bien le vernis brillant. Là, c'est du vernis mat. On verra. Donc, le vernis mat de déco. Je verrai ce que ça donne. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que moi, j'aime bien ce qui brille. Je suis comme les pies, moi. J'aime ce qui brille. Mais bon, là, c'est du mat. On verra. Donc, celui-là, le vernis Home Déco Ultra Mat. Donc, il doit être bien mat. 250 millilitres. 1,99 €. Façon, il me servira quand même. Et je suis tombée gaga. Alors, je n'en achète plus depuis un moment. Parce que j'ai pas le temps, enfin, c'est pas que j'ai pas le temps, mais bon, j'en ai pas trouvé de très beau en ce moment. C'est les blocs 30-30, et là, je suis tombée gaga de celui-là, Mysterious Purple. J'ai trouvé trop beau. Il y en avait beaucoup hein, aujourd'hui, mais celui-là, il me plaisait pas mal. Alors, je vous le montre. Oh, bobo. C'est un peu vintage, mais vraiment beau. J'aime bien puisque ça fait une page mate et une page brillante.
pique aux yeux un peu celui-là. Il est beau. Voilà. Celui-là m'a vraiment plu. Donc, je l'ai pris. Et je ne sais pas ce que j'en ferai, mais bon, on verra. Donc, celui-là, 30-30, il est à 2,59 €. Ben, comme c'est avec du foil, il est plus cher. Voilà. Donc, c'est tout. Voilà, vous voyez, j'ai pas pris grand-chose. J'y allais seulement pour les dyes de ma copine. Et en fin de compte, bon, ben, voilà ce que j'ai pris. Donc voilà, ben, je voulais vous montrer que j'ai bien rangé mon atelier. Maintenant, je vais rebricoler. Je vais d'abord ranger ça. Je vais rebricoler. Et puis, je vais essayer de ne pas me remettre le boxon. Hein. Ce serait bien. J'ai une tête de déterré. Fou. Peut-être fatiguée là. Et puis voilà. Là, ce matin, j'étais chez le docteur. Faire mon arrêt de travail. Et c'est mon dernier arrêt de travail. Voilà. Parce que comme je vous disais hier, j'ai eu un contrôle de la sécu. Et qui s'est très bien passé. Je suis tombée sur une doctoresse super sympa. J'ai eu besoin de rien lui dire. Quand elle a vu mon dossier, qu'elle a vu toutes les maladies que j'ai, bon, parce que j'ai quand même plusieurs maladies, malheureusement. Et qu'elle a vu le traitement médical que je prends, qui est quand même très très lourd. D'office, elle m'a dit non, c'est fini, vous ne reprenez plus le travail. Je vous mets en invalidité d'office. Voilà. Donc, là-bas maintenant, le 1er janvier, je vais passer en invalidité. Et voilà, je vais rien demander, c'est elle qui l'a décidé toute seule. C'est vrai que je me méfie toujours des médecins de la sécu, mais là bon, elle était vraiment sympa et elle m'a dit non, elle m'a dit vous voyez pas le traitement que vous prenez, il est hyper, c'est vrai que j'ai un traitement très très lourd. Elle dit non, elle dit, vous ne pourrez plus jamais reprendre le boulot. Et surtout, bon, moi j'ai quand même un métier, je suis quand même auxiliaire de vie et aide ménagère. Donc c'est pas un métier tout repos. Et puis de toute façon, même ici à la maison, hein, heureusement que j'ai mon mari pour m'aider. Parce que niveau même pour faire le ménage, même moi toute seule, je peux pas. Donc. On fait le ménage à deux. Quand il faut changer les draps du lit, on le fait à deux. Voilà. Donc, pour ça, j'ai un bon mari. Donc, voilà. Les nouvelles du jour. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, vous me voyez quand même un peu... Mais bon. Ça ira mieux demain, comme on dit. Un peu de fatigue, c'est rien. Je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Allez, je vais bricoler mes bricolages, c'est qu'à de le dire. Et je vais attendre ma petite fille ce soir. Elle m'a dit qu'elle venait après avoir fini ses devoirs. Ouais, les devoirs avant, hein, ça. On ne vient pas chez mamie si les devoirs sont pas faits. Et donc, on se retrouve... je ferai peut-être une petite vidéo avec mon lutin demain. Je verrai. On verra comment on fait ça. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye. À bientôt. Bisous, bisous.